Le Noël de Franklin. Franklin adore Noël. Il connaît le Père Noël et le nom de chacun de ses reines. Tonnerre, éclair, comète et vif-argent. Il sait faire de jolis nœuds avec des rubans et jouer douce nuit à la flûte à bec. Mais ce qu'il préfère, c'est offrir les cadeaux et en recevoir. Pourtant, cette année, il n'arrive pas à se décider quel jouet va-t-il donner pour le Noël de charité Chaque mois de décembre les élèves de la classe de monsieur Hibou donnent des jouets aux enfants des familles défavorisées Ces jouets peuvent être neufs ou un peu usés mais bien sûr jamais abîmés Quand monsieur Hibou installe la boîte aux cadeaux tout le monde est très impatient cela veut dire qu'il reste trois jours pour choisir ce qu'on va donner. Ce soir là, Franklin vide son coffre à jouer. Il redécouvre une jolie petite voiture rouge. Ah. Oh oui, dit il, je me souviens Vroom. Elle roule vraiment très bien. Puis Franklin extirpe du fond du coffre un vieil éléphant en tissu. Oh. Toi. Je me demandais où tu étais passé, s'écrie-t-il en lui faisant un gros câlin. Il retrouve aussi sa plus jolie Agathe, la verte. Il l'avait perdue depuis des semaines. Fantastique, s'exclame-t-il. Franklin a une passion pour les billes. Il a gagné toutes celles de sa collection et chacune est splendide. Il sort un à un le reste de ses jouets. Il décide de tout garder, sauf un vieux camion auquel il manque une roue. Franklin demande à son papa de la réparer. On peut toujours essayer, dit celui ci, mais cela n'aura l'air ni neuf ni juste usé. Oui, mais c'est tout ce que j'ai, assure Franklin. Le reste, j'y tiens trop pour m'en séparer. Réfléchis encore un peu. Dit le papa de Franklin. Et rappelle-toi, Noël est le moment idéal pour faire preuve de générosité. Le jour suivant, en classe, Franklin interroge ses amis sur leurs choix respectifs. Lily donne son livre de questions-réponses. Parce que je connais déjà les réponses, dit-elle toute fière. Et moi, je donne mon puzzle, continue Martin. Je ne l'ai fait qu'une seule fois. Franklin fronce le nez. Moi, je vais donner un camion, je crois. Il lui reste encore deux jours pour se décider. Mais Franklin est bien trop occupé pour penser à la fête de charité. Il répète pour le concert dans l'orchestre de l'école, et il écrit un conte de Noël. Je choisirai ce soir après la classe, se promet-il à voix basse. Surprise. Quand Franklin rentre à la maison ce soir là, il découvre un paquet pour lui au pied du sapin. C'est de la part de sa tante Anémone. Il est si excité qu'il oublie qu'il a quelque chose de très important à faire. Franklin tâte et secoue le paquet. Pas touche, dit sa maman en riant. Tu sais ce que c'est, toi, maman? demande Franklin. Non, sourit sa maman, mais ta tante Anémone fait des cadeaux très spéciaux qui signifient toujours quelque chose pour elle et toi. Oui, comme l'année dernière, confirme Franklin. Tante Anémone savait que Franklin aime le théâtre. Et elle lui avait offert deux marionnettes qui étaient à elle quand elle était petite. C'était le plus beau cadeau que Franklin ait jamais reçu. Le lendemain, en classe, la boîte à cadeaux est sur le point de déborder. Vous avez tous été très généreux, dit Monsieur Hibou. Savez vous que votre cadeau sera parfois le seul qu'un enfant recevra? Franklin a la gorge serrée. Il n'avait jamais pensé à ça. Il doit absolument se décider pour le lendemain. Il court chez lui après l'école et fouille à nouveau dans tous ses jouets. Un enfant aimerait sans doute son éléphant, mais il est tout élimé d'avoir été tant câliné. Quant à la petite voiture rouge, roule t-elle encore assez vite? Franklin est embarrassé. Avant, il ne pouvait se séparer d'aucun de ses jouets, et maintenant, pas un ne lui semble convenir. Franklin manipule ses marionnettes, et pense à tante Anémone et à sa manière de choisir ses cadeaux. Elle dit toujours que les plus beaux sont ceux qu'on a autant de plaisir à offrir qu'à recevoir. Alors, Franklin regarde sa collection de billes et il comprend que ces billes seront le meilleur cadeau pour la fête de charité. Il les nettoie et les fait briller une à une avant de les ranger dans une jolie poche de tissu. Il enveloppe son cadeau et accroche une étiquette dessus. Ce sont des billes porte bonheur. Joyeux Noël! À la première heure le lendemain, Franklin dépose son paquet sur le haut de la boîte. Puis, ses amis et lui vont la porter au pied du sapin dans la salle de la mairie. Il dépose chaque cadeau au pied de l'arbre. Franklin sait bien que ses billes vont lui manquer. Pourtant, il ne se sent pas triste mais plutôt heureux d'avoir été généreux. La veille de Noël, Tante Anémone arrive à la maison. Franklin est autorisé à ouvrir son cadeau. Il arrache le papier avec impatience et reste ébahi. Oh, « quelle merveille » dit-il. « Merci, Tante Anémone !» Tante Anémone rosit de bonheur elle a fabriqué un joli castellet pour les marionnettes de franklin maintenant ouvre le tien insiste franklin tant anémone défait son paquet tout doucement sans se presser à l'intérieur elle découvre un petit livre fabriqué par franklin c'est un conte de noël qu'il a écrit lui-même et il y a aussi une étiquette qui dit pour Tante Anémone et ses cadeaux super chouettes. Merci, Franklin. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, dit Tante Anémone. C'est gentil, dit Franklin. Tout le monde se souhaite un joyeux Noël. Et Franklin s'exclame en souriant. Je crois que cette année, je suis vraiment très généreux. A bientôt pour de jolies histoires.